Salut les bandits, ici Wastog, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Offron, la série dans laquelle je vous commande mes parties en live en vous détaillant mes choix d'armes de position et de stratégie afin de vous guider sur la voie de la victoire. Et aujourd'hui on se retrouve sur la carte de Soissons, une des nouvelles cartes du premier DLC de Battlefield 1, They Shall Not Pass. Et on va voir un petit peu comment on fait pour jouer infanterie de façon efficace sur une carte avec autant de véhicules. Donc bien sûr, commencer la partie en assaut c'est toujours une bonne idée sur cette carte. Tout simplement pour avoir de la marge et réussir à vous occuper de ces saloperies de blindés. On va prendre le point C pépère. On va se prendre le show. Je joue MP18 optique pour avoir un petit peu plus de distance d'engagement et me permettre de m'occuper de mes adversaires. Au niveau de la grenade, grenade frag bien sûr pour les tranchées en C. Ils sont hyper relous. Raté, entendu, surtout en fait une cave. Ouais. Et on va essayer de graviter autour du point C en cassant les couilles. Ah, trop de monde. En cassant les couilles, pardonnez mon expression, aux individus présents sur point. On a pris B. Je vais passer au modèle 10 à balle, pas chasseur, pour aller essayer de gratter des kills à distance. Comme ça, par exemple. Ou de contact, comme ça, par exemple. J'aime le modèle 10 à balle. Vous le savez. Et un bon spot, bien tricky, faut connaître. Quitte élite en haut. Une putain de... d'incendiaire, je sais pas ce qui prend à tout le monde de jouer les incendiaires là. Mais c'est très très pénible pour tout le monde. Ah, je lui ai mis en plus 96, allez je vais prendre un petit raise. J'ai confiance dans le destin, j'ai confiance dans l'âme des cartes. En Yu-Gi-Oh ça je crois. J'ai de la référence culturelle aussi. Fail, me touche pas. On va mettre un petit point sur D. Et on va tempo ici. Et éviter de se manger des balles et des trucs. Je déteste être sur ce point. D'ailleurs, je vais me cacher en périphérie, juste là. Histoire de pouvoir me barrer en temps voulu. Putain. Oh non. J'ai confiance en l'âme des cartes. Non, là j'arrête mon délire. je vais pas récupérer de raise. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde sur D. Je vais retourner sur D. Est-ce qu'on a du médic? On a quelques médics. Ça, c'est une bonne classe aussi à prendre. Parce que généralement, les gens ont tendance soit à jouer scout parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent se distancer un petit peu des zones d'engagement. Soit assaut pour s'occuper de ces saloperies de. Blindé. Donc là, on sait qu'on a un joyeux luron qui s'amuse à nous snipe depuis la côte. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ici? Ça, mais ça, ça va pas toucher, c'est trop loin. 40, quand même. J'aurais préféré une tête et une exécution sommaire. Mais bon, ça peut le faire. Donc, est-ce qu'on s'est occupé de notre ami là-bas, j'ai l'impression. Mais il y en a un deuxième. Ils sont tricky, hein. Alors, on va laisser le Panzersicht. Pépère. Alors globalement faut savoir que sur cette carte les Allemands ont tendance à être désavantagés tout simplement parce que les Français peuvent prendre position sur la colline en partant de leur spawn et que c'est très difficile pour les Allemands de remonter et de récupérer leur point, leur second point naturel, le point D. Je vais mettre une bonne tête à lui. qui n'est pas une tête d'ailleurs. Et là c'est le moment que je déteste, c'est quand on doit passer dans la ville. Là, pour moi, la meilleure solution, c'est de passer vraiment large dans le petit cours d'eau. On peut dandiner. Et là, par contre, c'est vraiment une zone hyper intéressante à prendre. Que les ennemis aient le point C ou le point B, vous pouvez vous cacher de façon plutôt efficace dans certaines... Un certain coin de la carte dans les bâtiments
Je vais aller le sick. Panade à manche, qui fait plaisir. Je vais reload. Préparer à toute éventualité. Ah, je suis trop. Je vois pas sa tête là. Non. Nightbox ne rentrera pas. Je vais essayer de me décaler pour aller le chercher. Ah! J'ai dit, la précision n'est pas bonne! Faut savoir qu'il y a quand même de la déviation hein, sur ce. Sur ce modèle Disable que je chéris tant. Toum toum toum. Bon, donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a un bon début. Je pense que globalement, notre équipe est légèrement meilleure au niveau de ses capacités de kill. Et là, on voit que les Français ont pris le point D facilement. C'est chiant. Aïe. Ah, le scout! Hop là. Petite esquive des familles. On va essayer d'aller check. Ouais, non. On va essayer de surtout prendre du soin. On reprend des pépères. Donc. Ah! Allez. Pisser Schwinger, est-ce que tu vas pouvoir me raise? Dans ta grande. Ouais, non. Je préfère aller le tuer. Est-ce que tu vas me raise ensuite? Tu es très gentil. J'apprécie vraiment ce geste. Et là, clairement, leur problème. En train de. Tu as pris trop de temps, mon cher scout. Là, il est en train de se dire what the fuck, est-ce que je viens de me faire OS juste pas. J'espère vraiment que cette arme va pas se faire nerf. Parce que mine de rien, elle est assez difficile à jouer quand même. Ah putain, grenade incendiaire. Elle est assez difficile à jouer. Il y a quand même de la dispersion à distance. Là, j'ai eu de la chance parce que. Ouais, le réflexe moisi. J'ai eu de la chance parce que même si j'étais sur sa tête. Ah! C'est le char qui m'a fini. Même si j'étais sur sa tête, vous avez de la dispersion. Hein, à partir de 20-30 mètres, parfois il vous faut 2-3 balles pour réussir à tirer sur votre adversaire. Je sais pas, il doit avoir 50% de chance à ce que la balle arrive pile sur l'endroit où vous tirez. Pour les headshots, c'est plus compliqué quoi. Mais bon. Donc là. La magie du C93, n'oubliez jamais de l'utiliser avec le modèle Disable. Plutôt une bonne game pour l'instant. Il y a un kit élite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dégommer le mec qui est en haut et de m'occuper du tank hunter. Ah bah, il est juste sur la tank hunter alors du coup. Faites le finir comme ça. Je vais pouvoir le sick. Non, je vais tempo. Il est aux pompes, il a raté son premier. Ah le putain. J'ai fail, j'aurais peut-être dû le charger en amont. On en reste la chance. Pour mon fail et mon manque de compétence, c'est inadmissible, Wastug. Je vais même parler à la troisième personne quand je fais des offrons, j'ai l'air moins fou. Surtout pour. Les voisins qui m'écoutent, peut-être. En tout cas, ça va, on a plutôt une bonne partie. On est avantagé parce qu'on a vraiment, je pense, une meilleure équipe. Encore une fois, je me répète, mais les Allemands ici, c'est difficile quand les équipes sont de niveau équivalent. Donc. Voilà. On tempo, gentiment. Le point D, c'est vraiment le point moisi pour l'infanterie quand vous avez des avions d'attaque ou des chasseurs qui sont plutôt compétents. Où est-ce qu'ils sont leurs blindés à mon avis? Ouais, bah, il y en a un là-bas, ce que j'étais en train de chercher. Il y en a un qui monte. Ouais, je vais t'esquiver ta masse. Tu vas me mettre des coups dans la tête. Putain. Un petit peu trop greedy. J'aurais dû foncer et pas chercher le kill derrière. Je pense qu'on va rester assaut pour l'instant. Ah, désolé, c'est mon petit calendrier qui fait bip bip. On va désactiver les annonces sonores. Alors du coup, on reprend C, nananana, on est tranquille. On met un petit coup à ce médic. Pas mal quand même pour Arras. On a un mortier qui va monter. On a pris ça. Ouais, ok, on a pris ça. Il y a un mortier ici, je crois. Oh, c'est un chamon là. Ouais. Ah merde.
heureusement qu'il avait des problèmes pour viser. On va essayer de cycle Saint-Chamond quand même, parce qu'on a tué zéro véhicule là. C'est un peu relou. Ah, il a un backgunner. Ils sont tous dedans en plus là. S'il n'avait pas de back, ça aurait été fini pour lui. Ma foi, est-ce que je def en eux ou est-ce que je laisse le... Non, allez. Ça m'ennuie parce que je vais manquer pas mal d'action. Mais bon, à mon avis, personne va vous bouger le cul sinon, et on va essayer de capitaliser quand même sur les avantages qu'on a. Ça peut vite se retourner, et la game est loin d'être gagnée. Si jamais ils ont le char de C, ça peut être très pénible. J'aurais dû switch éclaireur par contre là. I see you, motherfucker. Est-ce qu'on a le temps de récup? Je vais récup tout seul. Non, c'est bon, on va le récupérer. Est-ce qu'elle est sur le pont, prêt à partir pour aller sur D? Quel joli château. Manque un petit peu de mobilier, mais. Bref. Ça, faut vraiment qu'il le fixe. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il y a des effets de flash depuis la patch du DLC. Enfin, de flash. De bloom. De lueur blanche très très forte. Et ça fait un peu chier, ça casse un peu les yeux. C'est pas généralement, bon là j'ai fait pas mal de kills, mais c'est vrai que c'est pas une map où vous avez tendance à faire énormément de kills en infanterie, sauf si vous jouez éclaireur. Donc vous êtes chaud de la détente. Faut que vous vous placez bien, mais... Le problème c'est qu'ils ont énormément de... Ils ont énormément de véhicules qui sont... Putain, je l'ai touché là. Qui sont postés malencontreusement. Là, on voit, ils ont un char Mark V posté à Babelwed. Et c'est le problème de la carte, je trouve. C'est qu'une fois que la dynamique... Il y a une mauvaise dynamique qui s'installe... what the fuck? Qu'est-ce qui m'a tué? Ah, il était sur ma gauche. C'est que lorsqu'une mauvaise dynamique s'installe dans la partie, notamment au niveau des véhicules... C'est très difficile de revenir parce que si vous avancez, il y a toute l'infanterie qui va vous tomber dessus, il y a énormément d'assauts. Et ensuite, l'infanterie a tendance à vraiment camper, à pas bouger. C'est dommage. Je trouve que c'est vraiment le point noir. J'ai pris du tir, je comprends pas d'où par contre. Ça se passe énormément. C'est d'en bas, hein, c'est de où? Qu'est-ce qui se passe? Flamme. Là, il y a du monde à balle les... amis. Allez, allez, vas-y, mais cale-toi, tu peux le faire. Un peu le kill de la victoire. Ouais, je vais décaler. Je vais avoir du contact hyper close ici, normalement. Ouais, sur la gauche. Que je loupe. C'est malencontreux. Malencontreux. Alors attendez, parce que vous allez me corriger. Les expressions... Les néologismes que je suis en train d'employer. Je suis concentré, j'ai tendance à dire de la merde. Sur autre chose. J'entends. Donc on va push jusqu'en A, on va la laisser prendre D. Il y a trop de points non plus. Qu'est-ce qu'il tire? C'est solo ou quoi sur A? Ouais d'accord, solo. Intéressant. Move. Là j'ai vraiment un bon spot. Par contre sur A. Un mec sur la pièce fixe. Ok, je vais mettre une tête, s'il te plaît, décale-toi quand tu reloads. Hop. Je vois que... Là, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Je vois rien. À cause de la luminosité. Il tire, il est cotin. Ok, allez. On se casse de là. Et ils ont pris des, comme je vous le disais. Et on perçait. Ok, bon, ça va peut-être un peu bouger dans un sens un peu plus intéressant. Je vais harass. Harass rien du tout parce qu'il faut que je recharge. Il est trop loin pour qu'on lui fasse du mal. Je crois que j'ai tiré bien trop haut. Ouh, c'était pas trop loin. Bon, je vais pas gâcher mes. Grenade. Là, ça descend. Là, ça va être un engagement. Des engagements intéressants si je meurs pas. De ma gauche. Oui, je vous parlais du spread. Exemple parfait.
de la précision, parfois la chance. Si vous me voyez mettre des coups de... si vous me voyez mettre des... Là c'est un truc de ouf. Faut vraiment qu'il fixe ça rapidement. Si vous me voyez parfois mettre des coups de hache au lieu de mettre pour ouvrir des portes, parce que j'ai l'habitude de... l'habitude d'appuyer sur F pour ouvrir des portes sur PlayerUnknown Battlegrounds. Et donc voilà, mes chers amis. Jamais une bonne idée de se cacher dans un coin comme ça. Ah, je l'ai mis en plus. 34. Fuck! Ok. Pas énormément d'action hein, sur cette game. Je sais pas si on arrive à peine. Où est-ce qu'il y a de l'action qui pourrait être intéressante à montrer? Ouais, B, c'est vraiment... Je crois que c'est vraiment un de mes points préférés à jouer, là, B. Donc les bâtiments, vraiment des trucs marrants à faire. Wow. Attends, il m'a fait flipper. On va aller choper le petit médic qui fait son fou ici. Ouh, le fail. Personne n'a rien vu. Et là, on est en position de flanque pour s'occuper. Voilà. Pour esquiver les petits cavaliers un petit peu trop chauds. What? Ah oui, d'accord. Je me suis dit, quelle est cette explosion magique d'une Ategronon? Allez, Poulenkal. Poulenkal. Arzo. Non, oui. Oh, des skiffs. Bim, 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 boum. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est chose. C'est pour moi. Yes. Allez, on prend B, les copains. Il y a un mec sur le point. Est-ce que j'en suis de mes munis de C4? Ok, bon, on est safe. Dégage la tête. Non mais oh, c'est encore lui. Fatigue. Bonjour, j'ai découvert le chasseur sur Soissons. Yes. Bravo mec. Vive le nerf du chasseur. Vive le nerf du chasseur. Ok, allez, on va aller sur D. Arrêtez de cramer, s'il vous plaît. Merci, idéalement. Je sais plus où est le spawn. Je crois que c'est sur la droite, vers là-bas. Dans les champs, je suis... plus... ouais, putain. Je le dis et je check pas. Je crois pas qu'il est spawn. Je pense que lui était juste couché. Bêtement. Je suis mauvais aujourd'hui. Wastog méchant. J'aime pas me faire tuer par des chasseurs. Là, il y a du combat en E sur le... dans le château. On va se marrer un petit peu. On va essayer, du moins. Ok, expliquez-moi où ils sont. On a clair. On prend le point. Une cave qui arrive. Bon, au final, ça va être une un offrant assaut, je sens. C'est plutôt bien démerdé avec cette classe. On s'est même pas tant occupé des véhicules que ça. Mais c'est toujours bien d'avoir la possibilité de le faire. Et là, il y a le char de C qui va arriver sur des... On va... c'est jeté, lui. Oh, il s'est jeté. Ok. Heure du fight sur B. C'est contest. En train d'être pris d'ailleurs. De C qui arrive, qui est pas content. Le mec a décidé d'aller pile au pire endroit pour son behemoth, le point C. Genre, il est découvert de partout. Moi, je vais pas rester une demi-heure ici. Je vais aller récupérer B. De toute façon, vu la situation, là, vu comment il le joue, son char, le mieux, ça va vraiment être de jouer en périphérie et de l'ignorer. Donc là, on peut se marrer. Ok, ça, ça m'a pas fait marrer, par contre. Il y a un mec qui essaie de me tirer dessus depuis tout à l'heure, mais qui n'y arrive pas, j'ai l'impression. Il y a une mitrailleuse fixe.
C'est un scope de la victoire. Putain, putain. Il a survie. Non. What the f... C'est la balle qui a rebondi sur, sur le mur. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que je vais faire un petit coup de scout pour finir? Allez, je vais faire un petit coup de scout pour nettoyer en B, pour avoir l'info. Parce que là, ils m'ont énervé. Hop, petite flare de victoire. Alors, il y a ça qui rentre. Ensuite, il y a un autre coquin qui est très très proche. Voilà. Un autre coquin qui est très très... J'ai fail comme un ouf. What the... Putain. Non non non, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. On voit rien là, c'est incroyable le... Ah, what? Et lui il est rentré en mode je ne fais pas de bruit. Je suis un ninja cavalier. Le ninja cavalier, la nouvelle classe de Battlefield 1. Il est dans la merde lui, Agricolo. Mais comme je l'aime bien, on va aller faire des folies ensemble. Si je l'aime bien, mais... Bref. Ouais, allez. Je vais mettre un petit coup de fleur. Assist. Assist 1. Rebelle. Un rebelle. Hop. Oh, toi tu veux être méchant toi. Putain, le spread, mais il faut vraiment qu'il nerfe cette merde, hein. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Des gentils petits coquins. Je vais mourir encore là. Oh, j'aime pas ça. Y'a plus de... Ah, c'est la misère. Je suis pas ultra à l'aise en scout sur cette carte. Je trouve que vraiment... Putain, en ouf lui. Il a contribué à quoi dans l'histoire, le gars? A tué 32 personnes en avion. Bravo. Allez, on va se caler un petit peu là. Encore une fois, comme je vous le disais, je suis pas fan de ces positions, moi, en... Non mais qu'est-ce que tu fais, là? Y'a du monde derrière toi, buddy. Allez, on va les charger. Putain. On les décale au Mars. Avec un Mars, et ça repart. Il est mort? Ouais, il y a un... Dernier petit déchnappant là qui essaie de passer là. Oh, je suis con. Ah, j'aurais dû reload. Eh, j'ai été greedy. Si j'avais reload mon Mars, j'aurais clairement pu le décaler, le courir après lui et l'enchaîner. J'aurais dû reload. Je savais que ça allait me coûter cher comme erreur. Ouais, c'est pas grave. Bah, allez, on va finir un petit peu en éclaireur. Histoire de sécuriser quelques kills supplémentaires. Mais là, effectivement. Putain, ça me rend fou les flammes là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les flammes. Pas mon coco. Tu vas te manger. Putain, mais ah, il faut qu'il ait une putain de bombe à fil de détente sur lui. Voilà, tu te manges un non-scope pour calmer tes ardeurs. Et l'arme à roquette anti-char aura eu raison de moi. Ma foi, ma foi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, roulette russe. Alors, je pense que là, c'est quand même plutôt bien. Je vais finir en éclaireur. Ouais, en assaut. Parce que j'aime quand même bien ce petit fusil. Boum! Et la nade alors? Bah voilà. Et bah voilà, quand même, on arrive à nous faire 40 kills.
Et allez, je veux respawn et tuer encore quelques petits DVD. Ouh, je crois que j'ai fait une collate de dégâts. Pas kill. Allez! Où peut-on finir en beauté? Non! Boum, 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 boum! Bon, bah voilà pour ce petit offrant, ma foi, plutôt sympathique. Je pense qu'on avait clairement l'avantage au niveau skill individuel dans notre équipe. Parce que bon, ils sont quand même avantagés, là, les Français, sur cette carte. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une petite idée de comment est-ce qu'on est censé jouer, enfin, comment est-ce qu'on peut jouer au mieux sur cette carte en infanterie. Clairement, Assaut, c'est une bonne idée. Merci de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à la partager, à la liker. Bref, vous connaissez la chanson, ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits!